coming in, mate, and start the proceedings. Let's go les potes, c'est Geoff de la T4F. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va super bien. Petit jour de semaine, c'est pas un jour de repos, c'est pas un jour de week-end. Là, c'est en pleine semaine que ça se passe. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un 60 bombes ou presque. Vous verrez, c'est vrai que, bon, déjà, c'est une domination sur Nuketown. Donc, un bon petit classique. Hein. Vous verrez aussi au début du gameplay, c'est pas pour me donner un peu d'excuses, mais ma manette bug. Au taquet, vraiment, je dis pas ça parce que voilà, mais ma manette bug au taquet, alors je sais pas si ça vous le fait, moi j'ai une manette Oned, et en fait c'est mon joystick gauche, du coup le joystick où, avec quoi, ben on accélère, quand j'accélère du coup, ben ça me fait le mouvement pour accélérer, mais boum, hop, ça se remet à marcher, et quand je rappuie, bam, ça comme le mouvement pour accélérer, boum, ça remarche, enfin, c'est vraiment relou. C'est relou, surtout vous verrez, j'appuie plusieurs fois à la chaîne, vous allez voir au début, au tout début de la partie. Pour prendre l'élan, pour sortir du spawn, voilà, j'essaye d'accélérer. Vous allez voir, ça bloque, et après dès que j'arrive sur le côté de la maison, ça marche, j'arrive à courir. Enfin bon, voilà, c'est un peu... Bref, alors, donc, c'est une domination de Nuketown. Alors, j'ai commencé avec la Vesper, parce qu'à la base, je me suis dit, bon, allez, Nuketown, petite map, on va essayer Vesper, il reste quelques headshots à faire, comme ça, après, on a toutes les mitraillettes en or, et donc, le diamant dessus. Et au final, j'ai enchaîné les fails. J'arrivais pas à passer le mid-map. Ça me gonflait, je me prenais, j'ai fait des fails de malade. Donc du coup, je suis passé à la BRM, manière de me dire, allez, vas-y, je continue mon Dark Matter, c'est pas grave, quitte à jouer ou quoi que ce soit, autant continuer le Dark Matter. Et du coup, ben, je suis passé sur la batteuse et je me suis aussi permis au passage, dans la première mi-temps, de casser les score streak de mes ennemis. Oui, je suis un enculé, je casse les SS que les ennemis galèrent à avoir. Enfin, face à nous, ça n'a pas été très galère. Vous allez voir qu'ils arrivent très vite d'ailleurs. C'est ça qui m'a gonflé. C'est pour ça que j'ai sorti le lanceur. Et c'est après un deuxième mi-temps, du coup, que surtout tout va se jouer, quoi. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, je vais vous laisser sur ce gameplay. J'espère que ça vous plaira. Et on se retrouve juste après pour vous annoncer un petit peu mes changements que j'aimerais sur ma chaîne. Allez, peace!
Et donc voilà, nous revoilà, c'est la fin de la game. J'espère que le gameplay vous a plu. Alors, comme j'ai bien dit, j'ai précisé au début de la vidéo, c'était un gameplay, voilà, en mode petite pute, quoi. J'ai pas rushé, j'ai juste, voilà, j'ai fait ma pute, j'ai voulu gagner la game, etc. Donc, et donc, un petit 65 bombes, ce n'est même pas 60, c'est un 65. Moi, personnellement, plein d'autres diront que c'est pas grand-chose, mais moi, personnellement, 65 kills, je suis plutôt content. Ça fait plaisir. Voilà, alors ensuite, on se retrouve après ce gameplay pour que je vous parle un petit peu de la suite de ma chaîne YouTube. J'aimerais un peu innover, mais je suis un peu restreint niveau budget pour le matériel, etc. Donc, on va juste faire voilà, une petite interaction entre vous et moi. J'aimerais bien que vous me lanciez des défis. Donc, alors attends, on va y aller mollo. Des défis, mais vous connaissez mon niveau. Voilà, si vous voyez que cette vidéo, par exemple, essayez d'aller voir les autres aussi. Je suis pas un monstre. Me demandez pas, je sais pas, de faire une nuque avec le locus sans silencieux et tout le bordel. Ça, non, c'est mort, tu vois. Ça, je pourrais pas te le faire direct. Mais voilà, on peut essayer quelques défis. Donc, je vous laisse mettre ça dans la barre des commentaires. En tout cas, pour ceux qui auront regardé la vidéo jusque-là. Et une fois que ce sera fait, je vais essayer de relever le défi et de vous proposer ça en vidéo. Et même si je le rate, pourquoi pas vous proposer une vidéo aussi de mon fail, hein, ça peut être rigolo aussi parce que ma chaîne n'est pas faite pour de la performance, juste de la rigolade et s'amuser un peu entre nous. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir, vraiment, c'est rien, c'est juste hop, un petit clic sur le pouce et moi derrière mon ordi qui sourit, ça fait plaisir. J'espère vous retrouver très bientôt, et ça va être le cas d'ailleurs, très très bientôt, j'espère. Je vais essayer peut-être de faire une vidéo avant de partir en vacances, je vais partir une semaine, mais on va, je vais essayer, on verra. Allez, je vous laisse les gars, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, peace!